Bienvenue au blog PME KMO. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ici au siège principal de Cybertransport à Bernay, dans la vallée du Rhin saint-galloise, avec Monsieur Christian Sibert, le directeur général de cette entreprise. Monsieur Sibert, bonjour. Bonjour, Monsieur. Merci beaucoup de m'avoir reçu à votre siège principal. Vous allez bien? Ça va très bien, c'est un plaisir de vous avoir ici. Mais c'est très gentil. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être reçu, parce que nous allons parler de la coopération alémanico-romande. Et comme vous, vous avez un site en Suisse romande à Villeneuve, vous êtes particulièrement bien placé pour vous exprimer au sujet de ces relations alémanico-romandes. Oui, pour nous, notre siège à Villeneuve et nos plateformes aussi à Allemand et à AB sont très importants pour notre service. Nous sommes prestataires tout territoire. Et pour ça, la Romandie est assez importante pour nous. Et vous êtes souvent en Suisse romande? Actuellement, pas assez. J'aimerais bien être un peu plus là, mais on a l'avantage qu'on a un team là-bas qui fonctionne super et qu'on peut traiter beaucoup de choses aussi via téléphone. Mais j'aime bien d'être aussi dans la Romandie pour voir notre siège, mais aussi voir nos clients. C'est super, vous avez plus de 10 ans d'expérience avec les Romands. Est-ce que cette expérience est positive? Oui, pour moi, cette expérience est très positive. J'aime beaucoup de choses à la Romandie, surtout la manière, comment on travaille, comment on fait les choses, la région. Ça, j'aime très très bien. Chez nous, en Suisse alémanique, on essaie de travailler toujours dans un processus bien structuré. Et dans la Romandie, ça va quelquefois un peu différemment, mais c'est la même chose. On arrive à la même position. Par contre, quelquefois, j'aimerais bien aussi avoir un peu plus de structure dans des projets qui sont plus ou moins un peu plus grands que normal. L'ancien économiste de l'UBS, Klaus Wellershoff, a dit il y a un an et demi dans la Sonntagszeitung que la mobilité entre les entreprises alémaniques et romandes était trop petite. Qu'est-ce que vous en dites? En général, je pense qu'il a raison. Comme moi, je vois nos flux de marchandises qu'on a entre la Suisse allemande et la Romandie, vice-versa. Je vois que ce n'est pas équilibré. On livre beaucoup plus marchandises, beaucoup plus produits en direction Romandie. Mais par contre, je crois aussi qu'il y a beaucoup de petites PME, surtout dans la région Berne, Soleur, etc., qui ont beaucoup de chance, qui ont beaucoup de potentiel aussi de livrer leurs produits dans la Romandie. Il y a un potentiel, il y a.